Donc, je suis Rémi Mascaro, je suis étudiant en quatrième année de thèse ici à IPBS dans l'équipe des docteurs Christelle Vérolet et Renaud Pointclou. Et nous travaillons sur un type de cellules immunitaires qui s'appelle les macrophages dans différents contextes tels que l'inflammation, le cancer ou les maladies infectieuses. Mon sujet d'étude, c'est de comprendre comment les macrophages peuvent être infectés par le VIH, le virus du sida. Et les macrophages, en fait, sont des cellules très importantes au cours de l'infection, car on pense qu'elles vont permettre à la fois la dissémination du virus d'une personne à une autre, mais également la dissémination du virus dans l'organisme. Et on pense également que ces cellules vont être celles qui vont permettre au virus de survivre dans l'organisme, même au cours des thérapies. Et elles pourraient en partie être responsables du fait qu'on n'arrive pas à éliminer le virus du VIH chez les patients infectés. Et en fait, on essaye de comprendre pourquoi les macrophages, qui en principe sont des cellules qui s'infectent peu efficacement, peuvent être infectées d'une façon très efficace quand elles sont en contact avec d'autres cellules déjà infectées. Et donc moi, en fait, j'essaye d'étudier ce mécanisme pour comprendre pourquoi on a cette efficacité qui est augmentée. Donc, à la fin de ma thèse, j'aimerais pouvoir poursuivre par un post-doctorat dans un laboratoire à l'étranger. Et en fait, à plus long terme, mon projet professionnel, ce serait de pouvoir rester dans la recherche académique, notamment dans le domaine des maladies infectieuses, parce que je me rends compte qu'il reste encore énormément de choses qu'on ne comprend pas dans les domaines des interactions entre les agents pathogènes et le système immunitaire. Et en fait, ce qui me pousse à continuer dans ce métier, c'est que c'est un travail dans lequel on ne s'ennuie jamais. Parce qu'on est tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses, d'interagir avec des nouvelles personnes, d'essayer des nouveaux trucs tous les jours. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très stimulant dans ce travail.